Alessandra Sublet, malgré sa séparation, elle va fêter Noël à Saint-Barth avec son ex. Une séparation en bons termes. Ces derniers vont en effet fêter Noël à Saint-Barth ensemble avec leurs deux enfants Charlie et Alphonse. On dit souvent qu'il est plus difficile de réussir une rupture qu'une histoire d'amour. La douleur de la séparation, le manque, la colère, l'orgueil nous font souvent faire ou dire qui dépasse nos pensées. Et l'histoire d'amour peut vite virer au règlement de compte et un sentiment de haine peut même s'installer. Que dire d'Angelina Jolie et Brad Pitt qui se déchirent pour la garde de leurs enfants? Alessandra Sublet et son ex-mari Clément Miseré semblent, au contraire, bien déterminés à rester en bon terme pour préserver leur famille. Personne n'avait vu venir cette rupture tant le couple donnait l'image d'un couple amoureux et complice. Dans son livre, T'as le blues, Baby. Paru en 2013, dans lequel l'animatrice évoquait sa dépression post-partum. Alessandra Sublet s'imaginait aux côtés de son homme à 60 ans. J'ai 60 ans. Une belle maison. Toujours les mêmes amis. Une vie pleine, riche, trépidante. Point. L'homme que j'ai épousé un jour d'été près de moi, beau comme ce vendredi où je l'ai rencontré sur une plage du bout du monde. Nous étions jeunes, bronzés, libres. Il est là, point fort, à mes côtés. Pourtant Alessandra Sublet et Clément Miseré ont bien décidé de mettre fin à leur mariage célébré en 2012. C'est d'ailleurs le producteur qui l'avait confirmé au magazine Gala après une annonce faite par le magazine Closer. Mais pas question pour le couple de déchirer. Il en va du bien-être de leurs deux enfants Charlie, 6 ans, et Alphonse, 4 ans. C'est d'ailleurs ensemble que le couple compte fêter Noël à Saint-Barth, l'île sur laquelle ils se sont rencontrés en 2011. Celle qui remplace désormais Nico Aliagas dans ses Canteloups vient en effet de publier une photo de sa fille courant sur la plage de Lance du Gouverneur à Saint-Barth. Et sur sa story Instagram, elle a posté la photo d'un Père Noël gonflable sur traîneau volant. Joe et Joe ont encore fait fort cette année. Crazy Family, a-t-elle ainsi écrit.